Alors, l'exercice, hein, c'était de chacun mettait une proposition qui lui semblait évidente, et ensuite les autres élèves mettaient une objection à cette proposition, ils cherchaient une objection. Puisque en philosophie, ce qu'on cherche, c'est de voir toujours être capable de comprendre qu'une idée a du sens, mais en même temps qu'elle a sa limite, qu'on peut toujours la critiquer. D'accord ? Dans votre dissertation, c'est ce qu'on va vous demander, être capable d'affirmer une idée, puis en même temps de voir sa limite, de voir qu'il y a une autre idée qui peut s'y opposer. Donc dans les objections qui sont au tableau, qu'est-ce qui se passe ? Pas du tout. Moi, je travaille ici à un climat de réflexion. Dans les objections qui sont au tableau, est-ce que vous en verriez, vous verriez un problème avec une des objections ? Ça ne serait pas vraiment une objection. Est-ce que quelqu'un voit un problème avec une des objections ? Hélène, avec laquelle ? On meurt tous un jour, le physique meurt, mais le souvenir reste. Normalement, c'est le contraire. C'est le souvenir meurt, mais le physique reste. Alors, on essaye de ne pas réagir en ricanant. Vous parlez « oh là là » quand quelqu'un parle. Déjà, on va essayer de voir si on comprend ce que vous dites. Vous pensez que c'est clair ou pas ce que vous dites ? Oui ? Qui a compris, Elon ? Je t'ai compris. Ah, c'est cool. Je peux répondre ? Alors, attendez. Ninon, vous pouvez répéter ce qu'il a dit, Elon, déjà ? Il a dit que... Le souvenir meurt, mais le physique reste. C'est ça ? Oui ? Est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez, Elon ? Pour le sens commun, pour n'importe qui, est-ce qu'on va dire, en général, le physique disparaît et c'est le souvenir qui reste ? Elon, vous vous dites, c'est le souvenir qui va disparaître plus vite que le physique, c'est ça ? Non, je dis que c'est le souvenir qui meurt et c'est le physique qui reste. Oui, donc le physique va rester, c'est ce que vous dites. Oui. Si je demandais aux autres élèves de la classe, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'en principe, le physique, c'est ce qui disparaît en premier ? Ou plutôt, c'est le souvenir ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Là, il s'agit de se mettre à la place des autres. Vous baissez la main pour l'instant, Alain ? Qu'est-ce qu'ils vont penser, eux ? Ils vont penser le contraire. Ils vont penser le contraire. Oui. Donc là, déjà, avoir conscience, vous pensez à un truc et finalement, pas comme ce que pensent les autres élèves de la classe. On est d'accord ? C'est pas tous. Une majorité. Ouais. Et Elon, vous retrouvez, est-ce que ça vous, du coup, est-ce que ça vous parle d'être plutôt assez souvent, on va dire, pas dans la majorité ? Vous reconnaissez là-dedans, vous êtes un garçon qui n'est pas dans la majorité. Ben, vous êtes un garçon, vous êtes un jeune homme. Un qui va réfléchir pas comme les autres. Qui réfléchit pas comme les autres. Ouais, vous savez ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un nom pour une personne qui ne pense pas comme les autres ? Vous auriez un nom pour ça ? La différence. Quelqu'un qui serait différent. Ouais ? D'accord. Bon, c'est quelque chose. C'est quelque chose que vous connaissez. D'accord. Est-ce que et l'avantage que ça peut présenter d'être quelqu'un qui est différent, et puis déjà, est-ce que des élèves de la classe peuvent montrer qu'être différent, ça présente un avantage ? Quel avantage ça peut présenter ? Camille ? Ça peut penser et voir différemment les choses. Alors, et Camille, en quoi ça présente un avantage de penser et voir différemment les choses ? C'est possible de laisser Camille répondre ? En quoi ça présente un avantage ?
appel de la diversité. Vous avez entendu, Camille? Oui. Vous avez entendu? Oui. Ça mène de la diversité. Alors maintenant, ouais, qui est d'accord avec Camille que la différence, bah, ça va amener de la diversité? Pas mal de gens, vous voyez, qui sont d'accord avec votre argument. Maintenant, est-ce qu'on peut montrer aussi peut-être la limite de celui qui ne pense pas comme les autres? Qu'est-ce que ça peut poser comme... Donc l'avantage, c'est que ça apporte de la diversité. Hein, et est-ce qu'on pourrait montrer aussi peut-être l'inconvénient ou le problème que ça peut poser de ne pas penser comme les autres? Elon, à qui demandez-vous? Il y a deux personnes. Lucie. Lucie. Il peut être rejeté par certaines personnes. Problème possible, s'il ne pense pas comme les autres, on a déjà vu ça hein, dans l'histoire de l'humanité, combien sont ceux qui ne pensaient pas comme les autres et qui ont été rejetés? Ils apportent de la diversité et en même temps, ils peuvent être rejetés. Est-ce que quelqu'un verrait un autre problème que ça peut poser de ne pas penser comme les autres? Non? La dimension d'être rejeté? Alors, maintenant, vous nous dites c'est le physique qui reste. Mais par contre, les souvenirs s'en vont plus vite. Ouais. Alors, on va voir. Est-ce que vous pouvez soutenir par un argument ce que vous dites? Parce que vous êtes d'accord qu'habituellement, c'est plutôt le contraire qu'on pense. Est-ce que vous pouvez le soutenir par un argument ce que vous dites? Par exemple, si on gagne un coup de balle à la tête. Si. Si on reçoit un coup de balle dans la tête, par exemple, je ne sais pas comment dire ça. Enfin. Les souvenirs qu'on aura quand on sera vivant, ils seront morts, enfin ils seront enterrés quoi. Alors que le physique lui va rester sur la terre. Alors que notre esprit lui va peut-être aller au ciel ou je sais pas. Qui a compris ce que dit elle? Qui pourrait? Vous voyez votre affaire, hein, c'est un peu confus. Il y a quand même deux personnes qui pensent vous avoir compris. Alors maintenant, hein, comme Mélone, il ne pense pas comme les autres, maintenant on va faire en sorte que votre pensée, tout le monde la comprenne. Ça va comme principe? Alors, qui peut... la grande mission de faire en sorte que tout le monde comprenne ce qu'a dit Elon, Alan. Si on meurt aujourd'hui, le corps il reste sur la terre, mais les souvenirs ils s'en vont. Est-ce que c'est ça? Il a raison, mais c'est pas les souvenirs qui s'en vont, c'est l'esprit qui s'en va. Ah ben, pour moi, les souvenirs font partie de l'esprit. D'accord. Mais, qui pense que c'est clair là, ce qui est en train de se passer avec elle? Qui trouve que c'est plutôt clair? Trouve que c'est plutôt confus. Hein, vous voyez, là, ça crée une certaine confusion. Hein, si bien que, vous voyez, le problème de la confusion, c'est qu'on a un peu perdu. Ouais. Alors. Est-ce que vous voulez aller vers plus de clarté ou la confusion, ça vous va? Je peux essayer d'éclaircir, mais ça va être dur. Déjà, vous voudriez opter pour un peu plus de clarté. On est bon là-dessus déjà? Ouais. Allez, on va essayer de construire quelque chose d'assez clair, puis vous nous direz après si cette clarté, si vous l'aimez bien ou si vous ne l'aimez pas, d'accord? Alors, on revient, on meurt tous un jour, donc, et l'objection qui a été proposée, c'est le physique meurt, mais le souvenir reste. Alors, est-ce qu'on a bien une objection ou est-ce qu'on n'a pas une objection? Est-ce que c'est acceptable comme objection? Je m'en demande si vous êtes d'accord, hein, attention, hein, parce que là, Elon, il a plutôt que de dire cette objection n'est pas acceptable, vous avez plutôt montré que vous n'étiez pas d'accord. Ouais. C'est pas l'exercice que je vous demande. Comprenez? L'exercice, plutôt de voir si l'objection, elle est acceptable ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent non, l'objection n'est pas acceptable? Et pourquoi vous pensez qu'elle n'est pas acceptable? Parce qu'on meurt. Donc, on meurt un jour, et dans la phrase, il y a le physique meurt, donc déjà, tu ne peux pas aller. D'accord, donc là, il n'y aurait pas d'objection, parce que c'est dit, objection à on meurt, ça n'objecte pas. Hein? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Maxence? Alors, du coup, elle ne marche pas, tout le monde a changé d'avis, alors. Bah alors, il faudrait... Ouais, puis Maxence, il est en train de nous dire, ça ne marche pas l'objection, parce que si on veut objecter à on meurt,
on ne peut pas dire, bah oui, on meurt. C'est pas une objection, on est en train de dire la même chose. Ouais. Ou bien est-ce que quelqu'un voudrait défendre ce qui est écrit au tableau ? Alan. Le physique, il meurt. Ça veut dire qu'on n'est plus... Par exemple, on n'est plus au physique des personnes, mais le souvenir, il reste. Ça veut dire qu'on aura toujours en mémoire une personne morte, on l'aura toujours en tête. Et on aura toujours un souvenir de lui, alors que le physique, on ne pourra pas le voir. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'oppose à mourir ? Qu'est-ce qui s'oppose à mourir ici ? Dans la phrase, dans l'objection, c'est quoi ? Bah, c'est... Ben, qu'est-ce qui s'oppose à mourir, hein? On meurt tous, qu'est-ce qui s'oppose? Quel est le mot qui s'oppose à mourir? Le souvenir. Ah, qui peut lever la main, qui voit le mot qui s'oppose à mourir? Ninon. Reste. Hein? Quand on est d'accord que si ça meurt, ça disparaît. Si ça reste, ça disparaît pas. Et donc, on a bien une objection. On est d'accord? Mais alors, l'objection, elle porte pas sur le physique. Hein? Là, pour faire son objection, il a concédé une chose, l'objecteur, il a dit « Ouais, ok, on meurt sur le physique. » Mais ce qui compte, c'est qu'on ne meurt pas dans le souvenir. C'est ça qui compte. Et donc, quelque part, on peut dire « Non, la personne, elle n'est pas morte, puisqu'elle reste dans le souvenir. » Donc, l'objection, elle s'appuie sur une concession, puis ensuite, une objection qui est introduite avec le « mais ». D'accord ? Alors, je vois que vous levez la main, Maxence, c'est pour faire quoi ? Parce que je ne suis pas d'accord. Parce que les souvenirs, ils restent pendant une période, mais après, ils partent. Quand la personne qui a le souvenir, il meurt aussi. Du coup, ils n'auront plus le souvenir de la personne qui est morte. D'accord, vous faites maintenant. L'objection, est-ce que vous l'acceptez ? Elle a du sens ou vous êtes en train d'objecter ? Bah non, parce que il meurt. Parce que si, par exemple, je meurs aujourd'hui, peut-être que Alan, il aura des souvenirs de moi, mais après, il n'aura peut-être pas parlé à personne. Et si Alan, il meurt, du coup, il n'y aura plus de souvenirs. Du coup, vous serez mort. Ouais. Et du coup, vous serez parti dans les oubliettes de l'histoire. Plus personne ne sera là pour souvenir de Maxence. Bah, c'est vrai. Eh ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être. Alors, est-ce que quelqu'un a une objection à ce que dit Maxence ? Pas d'objection. Un jour, on sera tous oubliés. Et donc, même le souvenir aura disparu. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, cette idée, elle vous plaît ou elle... Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un déjà a une objection à ce que dit Maxence, voudrait montrer, ben non. Non. Donc on en est là, un jour on sera tous oubliés. Et là, personne ne peut objecter à ça. Bon, je suis sûre qu'en cherchant, quelqu'un pourrait peut-être objecter. Mais... Bon, et cette idée-là, à qui elle plaît qu'un jour on soit tous oubliés? À qui elle déplaît? Elle déplaît et qui est indifférent. On sera tous oubliés, ben voilà, la belle affaire. Bon, alors, il y a des gens qui ne se positionnent pas. Hein. Je recommence. On est d'accord que vous êtes là pour être actif, les bras fonctionnent. Est-ce que tout le monde peut lever la main pour voir juste si les bras fonctionnent? Ouais! Je vois que les bras fonctionnent. Même celui de Marouane, il marche. Bien que Marouane, il est... un peu fatigué, il a même du mal à lever la main, mais vous ne pouvez pas être un peu plus vigoureux, là? Il faut que Karim vous aide à lever la main, ou quoi? Alors, je demande, cette idée-là, qu'on disparaisse un jour dans le souvenir, à qui ça déplaît, pour qui c'est désagréable d'y penser? Lever la main? Pour qui c'est agréable d'y penser? Et qui, pour qui c'est indifférent? Je m'en fiche. D'accord, cette fois-ci, tout le monde a le... Il me semble. Kima, je ne vous ai pas vu lever la main. Pourquoi? Pour dire quoi? D'accord. Eh bien, on peut débattre un petit peu là-dessus. Pourquoi, pour certaines personnes, c'est désagréable de penser qu'un jour, on sera tous oubliés? Pourquoi c'est désagréable? Alors, il n'y a que Elon. Hein, c'est bien quand quelqu'un qui ne pense pas comme les autres, au moins, il a des idées. Hein. Elon, allez-y. Pourquoi c'est désagréable? Mais ça veut dire qu'on n'a pas laissé une trace sur Terre. Enfin, qu'on n'a pas fait quelque chose d'assez... on va nous oublier, donc ça veut dire qu'on n'a rien fait sur cette Terre. On n'a pas aidé les gens, donc les gens nous oublient.
c'était plaisant. Alors, c'est bien de parler un petit peu plus fort, parce que vous voyez, il y a Léa là-bas. Vous voyez comment, avec quelle attention elle vous écoute. Vous sentez une jeune fille qui vous écoute. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? À moitié. Qui a entendu ce qu'a dit Elon? Pourrait répéter l'essentiel de ce qu'il a dit pour Léa. C'est juste pour vous qu'on fait ça, hein? Alors, qui peut répéter l'essentiel de ce qu'il a dit? Et que Maxence qui peut faire ça? Ah, Karine, allez-y. Il a dit on ne laisse pas de crasse sur terre. Ça nous déprime de cette idée qu'on nous aura tous oubliés, c'est qu'on a laissé aucune trace, c'est ça? Hein? Bon, et alors, c'est quoi le mot? Donc ça veut dire qu'on voudrait laisser une trace. Ouais. Ouais. Et... Mais pourquoi on veut laisser une trace? Pourquoi on tient tant à laisser une trace? Les animaux, ça ne leur pose pas de problème, vous êtes d'accord? Les traces des animaux, elles seront oubliées. Et eux, ça n'a pas l'air de les angoisser. Pourquoi nous, ça nous angoisse de ne pas laisser de traces? Est-ce que quelqu'un aurait une hypothèse? Et tout le monde cherche. Vous êtes d'accord que je ne pense pas que les vaches qu'on voit dans le Haut-Doubs, elles soient tourmentées à l'idée, mon Dieu, je ne vais pas laisser de traces. Hein? Ma brousse de vache, elle leur a disparu. Ils en laissent. Ah, mais ils en laissent. Mais nous. Enfin, sur les animaux, on laisse des traces. Ils en laissent, mais ils sont pas en train de se dire c'est affreux, j'ai pas laissé de traces, ça m'angoisse. Ah, bon, on sait pas si c'est pas dans leur tête. Qui pense que les animaux, ils sont angoissés à l'idée de ne pas laisser de traces? Qui pense comme ça? C'est sûr qu'on n'est pas dans la tête des animaux. Qui pense ça? C'est difficile à penser. Alors, il semble qu'il y ait quand même une différence avec l'humain. L'humain, ça a l'air de le perturber. Pourquoi nous, ça nous perturbe? C'est quoi le problème de ne pas laisser de traces? Est-ce que vous avez des arguments là-dessus? Alors, ce serait bien d'en avoir plusieurs pour avoir de la diversité, justement. On en a deux, ce serait bien d'en avoir plus encore. Karim, il est préoccupé à laisser des traces sur sa petite feuille, des traces qu'on va vite oublier. Ça commence par là, madame. Ben oui, non, on va l'oublier, mon pauvre. Pourquoi ça va être terrible? Alors, qui n'a pas entendu la question que je vous pose? Alors, on va chercher plus. On a deux hypothèses, ce serait bien qu'on en ait plus. Pas d'hypothèse, qui ne sait pas pourquoi, eh bien, l'homme veut laisser des traces, qui ne sait pas, pas la moindre idée. C'est de chercher une hypothèse, maintenant vous vous demandez comment ça se fait que je n'ai pas d'hypothèse à ça, on a tous constaté que les hommes aiment laisser des traces d'eux-mêmes, et s'ils n'en laissent pas, ça les angoisse. Alors, qui a une hypothèse qu'on puisse en comparer quelques-unes? Il y a Maxence, il y a Elon, et puis Romane. Et Romane, ce serait quoi votre hypothèse? Parce qu'ils aiment pas... Ouais. Ils aiment bien avoir... Ils étaient importants, quoi. Enfin, plus importants que les autres. D'accord, c'est une hypothèse. Hein? Il faut que... L'homme, il faut qu'il soit plus important. Hein? Il semble que ça soit plus important... Qui pense que c'est vrai ce que dit Roman? Ça, chez l'homme. Qui n'a pas compris ce qu'a dit Roman? J'ai entendu, mais j'ai pas. Vous comprenez pas? Et qui peut réexpliquer ce que dit Roman dans d'autres termes? Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de laisser des traces? Qui peut réexpliquer ça pour Maxence? Elon? Elle a dit en gros que l'homme, il veut laisser des traces pour qu'il... Enfin, il va être important. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que vous répétez ce qu'elle a dit, donc comme il n'a pas compris la première version, je ne sais pas s'il va comprendre la deuxième. En fait, c'est la question. C'est... Pourquoi l'homme... C'est important, mais c'est la question. C'est-à-dire, c'est la question. Pourquoi il veut laisser des traces? Ouais. Donc l'hypothèse de Roman, c'est qu'il laisse des traces parce qu'il veut montrer qu'il est important. C'est ça, hein? Oui. Hein? Montrer qu'il est important. Voilà, montrer que l'être humain, il veut montrer qu'il est important. Il semble que le chat, il s'en fout.
hein, montrer qu'il est important, il s'en fout, mais l'humain, lui, il veut montrer qu'il est important. Hein, ce serait une hypothèse. D'accord ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette hypothèse ? Maxence, l'hypothèse de Maxence et de Elon, elles étaient différentes ou c'était la même chose ? Alors, allez-y, on vous écoute, Elon. On peut avoir l'impression d'avoir ça à rien sur cette planète. C'est pour ça qu'on veut laisser une trace. Alors, ça serait bien de parler plus fort, hein. On veut laisser une trace parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir servi à rien. Ça peut être plus fort. Mais en gros, c'est la même idée, parce que si quelqu'un qui est important, c'est quelqu'un qui sert à quelque chose ou qui sert à rien. Ouais. Est-ce qu'on peut être important et servir à rien ? Hein, parce que si votre idée est différente, si votre idée elle est différente, il faudrait montrer que être important, on peut tout à fait être important et pour autant servir à rien. Hein? Est-ce que quelqu'un pourrait montrer ça ? Ben oui, dans, auquel cas, ça sera vraiment une idée différente d'un vôtre. Est-ce que quelqu'un peut montrer ? Ben oui, on peut être très important, mais on ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un peut montrer ça ? Chut, attendez, Elon, ce serait pas mal qu'il y ait plusieurs personnes. Et ils font des petits débats de... Vous voyez, elles sont perso, elles jouent perso, hein. Là, on est comme l'équipe de hand, l'équipe de foot, mais elles sont parties avec leur ballon dans leur coin. Donc, vous jouez à un sport collectif ? Non, parce que c'est la deuxième, mais c'est collectif. Qui joue à un sport collectif ? Moi, je veux. Ah, Romane, en plus vous jouez un sport collectif et puis vous jouez. Ah, mais ça ne passe non plus. Alors, donc la question c'était, qui s'en souvient ? À Karim. Est-ce que les personnes importantes derrière sa femme ? Citez-moi un exemple. Est-ce qu'on peut être important et servir à rien ? Oui. D'accord ? Oui. Donc, qui peut montrer ça, que c'est possible d'être important et pourtant on ne sert à rien ? Oui, par contre. Marouane. Il y a la reine d'Angleterre, par exemple. Non, mais c'est vrai. D'accord. Elle, c'est pas elle qui gère le pays. Du coup, elle est juste là pour faire beau. Donc, nous avons l'exemple de la reine d'Angleterre. Ça serait une personne importante. Donc, elle a besoin d'être importante, ça la rassure. Elle va laisser une petite trace dans l'histoire. Mais d'un autre côté, elle ne sert à rien. Donc on aurait effectivement deux idées. Hein, si on accepte l'exemple de Marouane, on veut laisser une trace pour être important et on veut laisser une trace aussi parce qu'on veut servir à quelque chose. Il y aurait deux raisons. Hein. Et la reine d'Angleterre, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle sert à rien ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui voudraient montrer qu'elle... Alors l'argument de Marouane, c'est qu'elle ne fait rien en politique. Ouais. Ça oui, en politique, elle sert à rien. Mais est-ce qu'il y a des gens qui voudraient montrer qu'elle sert quand même à quelque chose, la reine d'Angleterre ? D'accord. Qui pense, qui est d'accord avec Marouane, plutôt la reine d'Angleterre, elle sert à rien. D'accord. Il semble qu'il y a une majorité. Et qui n'est pas d'accord, elle sert à quelque chose ? Vous pourriez dire à quoi elle sert, Lucie ? Ah. Si vous ne savez pas quoi, beau, alors... Je crois qu'elle s'investit dans quelque chose. Oui, à faire beau. Non, mais c'est vrai. Elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose. Donc... Elle sert à quelque chose. Quand on a un bon sens, toujours à quelque chose. Ah, ça y est, vous êtes parti. France Hollande. Ah, vous voyez, ça y est, tout le monde est parti jouer perso. Ouais.
c'est la fierté. Peut-être. Mais on parle de ça. Alors, il vient de se produire une petite chose là, c'est-à-dire que les débats que je propose, si vous avez remarqué, c'est des débats cadrés. Puis là, il s'est passé un truc. Qui peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Ça s'est décadré, en effet. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'est décadré? On est sorti du cadre. Madame Boucher, elle cherche à garder son cadre, mais là, ça n'a pas marché. Est-ce que... Est-ce que vous savez pourquoi, là, tout d'un coup, le cadre, on ne peut plus le maintenir? Quelqu'un comprend pourquoi? Maxence. Hein. Ouais, d'accord, mais vous me décrivez ce qui s'est passé. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ce phénomène. Est-ce que quelqu'un comprend ce phénomène, tout d'un coup? Maxence. Parce qu'on a parlé de mon avis et que chacun veut donner son avis. Chacun veut donner son avis. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Plus personne. Vous voyez, le... quand chacun veut donner son avis, quel problème ça pose pour la réflexion commune? Est-ce qu'on cherche à avoir une réflexion commune? Qu'est-ce que ça pose comme problème, Maxence? Un débat. Ça pose un débat. Et alors, avantage du débat, puis inconvénient. Ce qui s'est produit là, c'est quoi l'avantage? Ben, c'est que moi, tout le monde parle. Voilà, moi, tout le monde parle. Hein. Mais vous remarquez que vous parlez volontiers quand c'est tous les autres qui parlent en même temps. Par contre, parler quand le cadre est maintenu, quand le silence est maintenu, c'est plus difficile. Est-ce que vous savez pourquoi? On parle plus volontiers, là, comme ça, chacun raconte son truc. Mais quand le silence est établi et qu'il faut parler, il semble que ce soit plus difficile. Alors, c'est pas plus difficile pour Maxence et pour Elon, hein, ça c'est sûr, mais pour pas mal de jeunes, c'est plus difficile. Tiens, on va demander à quelqu'un qui a conscience de n'avoir rien dit depuis le début du cours, qui en a au moins conscience. Levez la main. Et parmi ceux-là, est-ce qu'il y en a un qui voudrait m'expliquer pourquoi c'est plus difficile de prendre la parole quand on est dans le silence? Et c'est plus facile quand il y a du brouhaha. Est-ce qu'il y a parmi ceux-là, quelqu'un pourrait m'expliquer ça? Oui, Ninon. Non, plus de... Et là, il n'y a pas beaucoup de bruit, pas trop encore. Hein? Est-ce que vous savez, Ninon, pourquoi, du coup, on est plus mal à l'aise quand il y a moins de bruit? Qui est d'accord avec Ninon? On est plus à l'aise quand il y a du bruit. Qui est d'accord avec ça? Et l'autre jour, il y a un élève qui est venu me trouver à la fin d'un cours, puis qui me dit « Madame Boucher, je pense que j'ai un problème. » Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit « Ben moi, quand il y a du brouhaha, je me sens pas bien. Et qu'est-ce qui vous gêne dans le bruit ?» Il dit « Ben, j'arrive pas à me concentrer. » Il dit « Donc, vous aimez pas le bruit ?» Il dit « Non, j'aime pas le bruit. » Je lui dis « Ben alors, vous aimez le silence ?»« Ouais, j'aime le silence. Et qu'est-ce que vous aimez dans le silence ?» Alors, il me dit, ben, dans le silence, moi ce que j'aime, c'est que je peux prendre le temps de comprendre, je peux prendre le temps d'observer les choses, il me dit. Et il pensait qu'il n'était pas normal. Est-ce que vous en pensez, il était normal ou pas normal? Il fallait que je vous dise quoi à ce jeune homme? Vous êtes normal ou vous n'êtes pas normal? Qu'est-ce que vous pensez, Ninon? Voilà, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il trouve ça agréable quand Marwan nous dit j'ai faim en train de... Qu'est-ce qu'il trouve ça plutôt désagréable? Qu'est-ce que plutôt ça le gêne quand il dit j'ai faim? Qu'est-ce qu'il trouve ça agréable? J'ai faim. Quand ça nous fait une place à manger. Donc ce garçon, il était effectivement anormal parce que lui, je pense que ça l'aurait gêné. Quand vous dites j'ai faim, il a besoin de calme, de silence. Donc il faut que je lui dise, je ne vais pas donner ma réponse, il était normal ou anormal. Qu'est-ce qu'il pense, qui pense que ce garçon est normal? Qui pense qu'en effet, il n'est pas normal d'aimer le silence?
Et Ninon, alors, vous pouvez dire pourquoi le silence nous met mal à l'aise, pourquoi on a du mal à parler dans le silence. Quand le silence est établi, c'est difficile de prendre la parole. Alors, on va essayer de faire en sorte que Ninon puisse parler dans le silence. Pourquoi ça nous met mal à l'aise? Vous savez pas? Est-ce que quelqu'un a une hypothèse? Tristan? Ah, parce qu'il y a tout le monde qui écoute et du coup la personne a peur de se tromper. Vous pouvez le dire plus fort, allez-y. Il est trop chaud. La personne, elle a peur de... Alors vous essayez de ne pas parler en même temps que Tristan, de ne pas vous moquer quand Tristan parle. Tristan, vous pouvez nous dire bien fort, allez-y. Je disais que la personne avait peur de se tromper et que les autres se moquent. Effectivement. Quand il y a du silence, on va l'entendre ou pas? Oui. Eh oui. Et du coup, s'il se trompe, on va l'entendre. Par contre, dans le brouhaha, comme vous voyez, il y a des gens qui créent du brouhaha. Hein, parce que vous exprimez, ça les fait ricaner. Ben, de fait, moi, je constate que Tristan s'exprime et qu'il y a des gens derrière qui ricanent. Hein, donc, ils ne sont pas spécialement... en train de vous aider à prendre la parole, mais en même temps, ce que vous dites, pour ceux qui ont entendu Tristan, qui est d'accord avec Tristan, qu'en fait, on a du mal à parler dans le silence, parce que là, on risque davantage d'être écouté, de se tromper. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour parler quand il y a du silence? Qu'est-ce que ça va nécessiter à la personne qui le fait? De l'attention. Camille. Du courage. Et qui pense que Tristan a eu un certain courage de s'exprimer là? Qui va devoir aller? Moi je l'ai que demain. Vous voyez, Karim, il reconnaît que vous avez du courage, mais en même temps il rigole tout à l'heure quand vous parliez. Non, j'ai pas rigolé. On a dit c'est bien. T'es d'accord avec nous, Tristan? On m'a dit que c'était bien. Je sais pas. Allez, qu'est-ce que vous pensez de cette séance? Elle était plutôt cool. Allez, un petit retour, un point positif, un point négatif de la séance. Possible de faire un petit peu de silence? On va ce que vous en avez pensé. On va aller coucher maintenant. 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 On va